pris le rôle de la place de Esav, comme il a dit de manière bidouk, j'allais te dire. Il a accompli la shlemout, il était shalem. Là, il est venu shalem. Si tu n'es malach, tu n'as aucun mérite. Si tu n'es malach. Et Yaakov, il est devenu Yaakov Avinu Israël quand? Quand il a combattu le Yetzirah, parce que si tu ne combats pas ton penchant et le Yetzirah, tu n'es pas Israël. C'est pour ça que Israël, Gématria Satan, en devenant Yaakov Israël, quand tu prends Yaakov et Israël, Yaakov et Israël, c'est quoi? C'est Gématria Satan. Il est devenu Israël, il est devenu notre père, patriarche, d'Afka à ce moment-là. Quand il a combattu le Satan, le Yetzirah. Avant, il n'avait pas cette force de combattre. Donc, à Kadosh Baruch Hu, il le met dans un monastère. T'es un monastère. T'es un curé, tu vas là-bas, tu bouges pas, tu manges pas, tu bois pas. Exactement. Bechot Shaarecha. Exactement. Tu comprends ce qu'on veut dire? Et ça, l'exemple qu'il a donné, c'est exactement ce que j'allais dire, Tzadik. Yaakov. Yaakov, pour qu'on devienne Israël, il fallait qu'il combatte le malach de Esav et qu'il combatte le mal. Si t'as pas de combat entre le bien et le mal, t'es un malach, alors t'es dans le ciel, t'as aucun mérite. Maintenant, je comprends la question qui te chagrine un petit peu, Yann, mais il n'y en a plus. Tu mais je pense que tu n'en as plus déjà, mais on va juste expliquer. On va juste terminer et expliquer ce que nous dit le Rav Dessler aussi, encore une fois, par rapport à cela. Et il continue dans un autre. Dans un autre. Tom, d'accord, notre. Ok, on a compris. Et là-bas, il explique par rapport à. Quand il y a écrit dans la Torah, lorsque Yitzhak et Rivka vont prier pour avoir un enfant, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Il a écouté sa prière. Que Dieu il a écouté la prière de Yitzhak. Ben, il va taire l'eau. Et il dit Rachid, l'eau ou l'eau là? Pas Patrick Bruel, ouais. J'attends l'eau là. Ouais. D'accord. L'eau ou l'eau là. Donc il y a écrit là-bas, il dit Rachid, Dieu il a entendu la prière de Yitzhak et pas la prière de Rivka. Non, j'attends Lola. Oh là 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 là. Mais non. Bref, il n'y a pas de Brest. Écoutez bien. Il dit le Rav Dessler, Rachid, donc qu'est-ce qu'il dit? Il a écouté la prière, l'eau et Lola. Il a écouté la prière de Yitzhak et pas la prière de Rivka. Et là-bas, Rachid dit pourquoi? Et no domé tfila chez le Tzadik ben Tzadik, l'isfila chez le Tzadik ben Racha. On ne peut pas comparer une prière d'un Tzadik ben Tzadik, donc Yitzhak, fils de Abraham, qui était Tzadik, à la prière de Rivka, qui était la fille d'une. Racha, la vanne Racha. C'est clair ou c'est pas clair? De Betuel. C'est l'inverse alors ce que vous dites. Aïe, Rabbi Aaron, tu suis ou pas? Donc c'est l'inverse? Ben si. Bah si, c'est l'inverse. Parce qu'en principe, ah, bah, si. Vous avez dit que le Batchou vous a dit c'est pas qu'il est plus haut dans le sens dans sa Torah, il est plus haut. Il est plus haut dans son srou, dans le Olam Haba, parce qu'il a fait un effort. Il a déjà compris. Alors regarde ce qu'il dira à l'essai. Écoute bien. Il pose la question, il dit, mais attends, je comprends pas, normalement il y a écrit Gmarav Mefoura, je sais ce qu'il dire. Là où se tiennent les balais tu vas, Velo Tsali Gamou, il peut pas se tenir. Normalement, Dieu, il aurait dû écouter la prière de qui? Rivka. Rivka, c'est plus logique, elle vient de du Rocher, de... Voilà ce que vient de dire. Il aurait dû écouter la prière. Non, alors pourquoi il y a écrit que Dieu, la tfila d'un Tsali Ben Tsali, c'est pas la même que Tsadik Ben Racha, et donc Dieu, il a écouté la prière de Yitzhak, elle est plus grande, parce que c'est un Tsali Ben Tsali. Comment c'est possible? Il explique. Et il dit. Et il dit, c'est les affaires qui commencent, Igal, continue. Et il dit quoi? Il dit, Rav Dessler, que, attention, il y a une nuance. Quand est-ce qu'on dit que le Baal Tshuva, il est plus grand que le Tzadik Gamour Igal? Quand? Quand le Tzadik Gamour, lui, il a simplement, entre guillemets, simplement continué le chemin de son père. Tzadik ben Tzadik, il y a deux sortes de Tzadik ben Tzadik. Tzadik fait de Tzadik. Il y a un premier Tzadik ben Tzadik, c'est qu'il a été éduqué comme Obélix. Il est tombé dedans quand il était petit. C'est-à-dire que depuis petit, il a baigné dans la Torah, dans les mitzvot, dans les machins, il se lève, machin. Mechila, Yaakov, avant d'avoir pris la part de. Et ça. Yaakov, vous regardez ça, c'est Tzadik ben Tzadik. Il est là, il suit, il a été éduqué par Abraham, machin, il continue, il met les tuiles. Il n'a même pas de guerre contre Tzadik ben Tzadik, il n'y a rien. Robot. Voilà, en français, ça s'appelle un robot. Il a été programmé à sa naissance pour faire Torah Mitzvot. Il n'a aucune tendance. Il continue le chemin de son père. Il fait ce que son père faisait. Un perroquet, un coffre, un singe. Mais c'est un tzadik. Parce qu'il ne faute pas. Il est à fond dans sa Gemara, à fond dans ses Tehillim. Il fait exactement ce que son père faisait. Il dit ce tzadik ben tzadik. Il a un niveau beaucoup plus bas que le tzadik ben Racha. Là, le tzadik ben Racha, il est au-dessus de lui. Comme on a expliqué juste avant. Par contre, il y a un autre sort de tzadik ben tzadik. Ce tzadik ben tzadik, et ça c'est Yaakov qui va prendre la place de Esav,
Lui, il ne s'est pas simplement endormi sur ses lauriers. Il n'a pas simplement continué l'éducation de son père. Il a continué, voilà ce que mon père il m'a dit faire. C'est que lui, il a trouvé un autre derrière Balaton. Il a dû se battre contre son mauvais penchant. Il a dû se battre contre des idées pour donner un nouveau élan à sa Torah. Yaakov Avinu, Yitzhak, il n'a pas simplement continué le chemin du chesed de son père. Lui, il a été dans le djinn. Il aurait pu continuer à être chesed comme papa. Non, non, il était dans le djinn. Il a fait un nouveau chemin, il a transmis une nouvelle mida dans la Torah. Alors là, c'est beaucoup plus difficile parce que tu es déjà en orbite et d'être au-dessus encore. Comment tu vas aller plus haut? Tu étais déjà très très haut. Alors lui, le tzadik ben tzadik, celui-là, il est plus haut que le tzadik ben rachat. On continue demain.